Tout ça, puisque c'est une machine aéroportée, une machine volante en fait. C'est une machine volante ? Ouais. Ça a atterri il y a deux jours ici, on peut repartir dans 2-3 jours. Oui, vous le faites si ça vous dans votre jardin. Vous mettez de la Il faut bien voir que là, les ballons sont en situation stationnaire. Quand nous volons, les ballons prennent 4 à 5 fois le volume que vous avez. Vous voyez, donc en fait, les pattes se plient légèrement. Ça, c'est pour l'impulsion de départ. Les hélices ascensionnelles, elles, évidemment, tournent beaucoup, beaucoup plus vite. On gonfle les ballons et on donne l'impulsion avec les pattes. Oui, regardez, madame. Oui, regardez, c'est. Bon, c'est rien extraordinaire, mais ça montre un peu comme. Les plantes voyageuses nomades et celles qui sont statiques que vous avez empruntées à Alex. Les plantes nomades. Température au sol. Réinitialiser la station, s'il vous plaît. Avec l'orage de cette nuit, on ne sait pas ce qui a pu se passer. À 100 mètres. Vitesse du vent au sol. Vitesse du vent au sol. Vent à 100 mètres. Température ressentie. Dessous, 23 degrés.
observé. Vérification des capots de chargement. Couverture nuageuse en pourcentage. Il me semblait, oui. Parfait. Fermeture du capot. Réouverture en position médiane, s'il vous plaît. Là, il n'est pas encore tout à fait défini, mais normalement, il y a des questions qui partent vers l'Asie. En fait, on va suivre des pays en fonction des saisons. C'est-à-dire que nous, la saison à l'heure actuelle, on va arriver en automne, voilà, l'hiver, à l'une des conditions de temps, c'est pas si possible. Donc on va rejoindre des pays qui sont. Comme ça, oui. On a fait une chaîne, en fait. On a interdit la structure et qui nous permet effectivement d'avoir des terrains, d'avoir. C'est qu'elle devient toute petite et légère. Alors que là, c'est l'inverse. Mais c'est visuel, c'est réflexe visuel. Donc beaucoup de gens disent, mais ça vole pas. Voilà, d'accord. Mais en fait, l'honneur, c'est bon pour cette exposition. Okay. Mais c'est évidemment pas. J'ai beaucoup de retours sur Miyazaki. Ah. Ouais. Et ça a été dessiné il y a 22 ans, donc ça m'étonnerait que Léonard de Vinci existait déjà. Des cristaux qui ne sont pas du tout corps. Complètement, voilà, des gros mots qu'on dit comme ça, l'air. Peut-être figés, comme c'est le cas pour les mousses, hein, qui vont se reproduire avec des mousses à proximité et qui vont rester autour des autres mousses. Ça veut dire que les plantes se déplacent. Ça veut dire, conclusion, que les plantes se déplacent, effectivement. Voilà, les plantes sont en mouvement et les plantes se déplacent, contrairement à ce qu'on dit souvent que les plantes sont figées. Et bien, grâce aux graines, elles se déplacent. Alors, on trouve différentes stratégies qui existent pour la dissémination des graines. On a, alors, je vais vous expliquer ces quatre catégories. Donc, l'autocorie, auto, soi-même. Donc, c'est les graines qui se diffusent par elles-mêmes. C'est la plante qui agit sur la graine pour la diffuser. Alors, je vous ai amené un exemple d'une fabacée qui produit des